Basta!
abala nube mama de moko ya do seni amene ta am kanna ta da ko da ta da ko da ta na la yila ala dai ala ko dum ma dem ba ko dai mama ri fara yali ya sori fara yali ya sori fara yali ya sori fara yali ya sori fara ala Ça c'est, on compte ça comme un appartement, ça c'est grand maison. Maintenant, de l'autre côté là-bas, il y a un appartement là-bas de 5 chambres, un salon. En face d'ici, l'annexe, ça aussi, il y a 6 chambres, un salon. Mais là-bas, il n'y a que les familles de la propriété de la maison. Parce que mon papa, il a plus de 12 enfants. 12 enfants, les garçons, les dauphins qui sont là-bas, ils ont tous mariés. Ah, mais vous êtes là depuis combien d'années? Depuis 1980. 1980. Vous avez tous les documents légaux? Oui, on a tous les documents légaux. Pour tout. Parce que ici, au moment qu'on a commencé, on a venu mettre le droit ici. Ils ont recensé les gens. Mais ils ont venu, ce n'est pas fait comme moi, ce qu'ils ont fait en temps là, ça n'a pas fait. Ils ont venu directement, ils ont mis le droit, ils n'ont pas pris les mesures de maison. Ils n'ont pas demandé le nombre de chambres. Et vous voyez, maintenant ils ont venu, ils ont mis le droit, ils ont pris le numéro de mon jeune frère. C'est vraiment un match de droit. Et vous voyez, maintenant, on est parti jusqu'au ministère de l'Habitat. Moi, j'ai pris 3 personnes ici. Nene Goudi, le mari de Nene Goudi avec Mohamed Kindia. On est parti au. Voilà, non, pardon, on est parti au. C'est le directeur de quelque chose, de l'urbanisme. Vous voyez, on est parti, on a demandé de. À ce moment, ils ont parlé de fournir les documents qui prouvent que vous avez ici commencé au pouvoir. On a envoyé le ministère, c'est qu'on est gagné, parce que nous on est gagné ici en tant que coutumier. Et vous voyez, on a envoyé le papier, la directrice a regardé, il a dit bon d'accord, il n'y a pas de problème. Il dit gardez vos dossiers, on va remonter le renseignement au ministre de l'Environnement, de l'Habitat, il donne pour moi. Après on est rentré chez nous. Depuis lors, il n'y a pas eu de déplacement du gouvernement venu regarder ici. On le voit seulement ici, les journalistes. En même temps, on entend n'importe comment ici à propos d'ici. Ici, vos bâtiments, du moins, vous avez 3 bâtiments, non? Ça occupe. On a 3 bâtiments. Ça occupe combien de parcelles? Ici, c'est un parcelle de l'eau. Un parcelle de l'eau. Vous voyez ici que nous, ça commence à jusqu'ici. Et maintenant qu'on a démoli vos maisons, et quel est le message que vous avez lancé à l'endroit de l'environnement? On ne peut pas dire qu'on n'a pas confiance au gouvernement. Mais à l'heure où nous sommes, on a tout chéri. Bon, les 20 millions, ça ne peut pas nous arriver. Est-ce que vous voyez? On a parlé, il n'y a pas un radio ici qu'on n'a pas parlé. Il n'y a pas un radio ici qu'on n'a pas intervenu. Mais comme on a un état pour impunité, il n'y a pas de vérité dans notre pays. Alors, on ne sait pas comment dire au gouvernement. Parce que même si on dit quelque chose ici, ça ne va pas prendre en compte. Parce que Maturé est venu ici, au moment qu'on a donné les ordres de Maturé ici. Maturé est venu, il est parti directement à cette ville ici. Il dit ici, il n'y a pas de vie. Normalement, on ne doit pas déposer de vérité ici. C'est à cause de ça qu'on a enlevé les choses, les ordres, l'assainissement à Maturé. Et si par exemple on vous donne tout à l'heure les 20 millions, est-ce que vous allez les prendre? Comme il y a ma maman, bon, c'est comme c'est lui qui appartient à la maison, parce que son mari a passé, bon, c'est lui qui va partir pour nous. Nous, actuellement, on n'a pas de maison. On préfère maintenant de prendre de loin. Maintenant, si vous êtes dans la rue, vous n'avez pas notre endroit où vous restez? Rien. Rien. On n'a rien.
Non, il n'y a pas de